pris appui sur le bas de la zone de single, ça marche pas. Oh là oui. Il y a un sacré algo qui veut pas nous laisser passer là. Pop, pop, pi. Il y en a un autre ici qui nous a défendu, mais celui-là est costaud. Hein. Bon, en tous les cas, ça me rassure que celui-ci nous est défendu ici. Mais c'est quand même chaud, chaud. C'est quand même chaud parce que. Il y en a un là qui veut pas nous laisser passer, grave. Ah putain, petit enculé. Par contre, si ça passe, on est tout bon. Ça a du mal. Hein. On est dans le bon sens, en tout cas. Hein. C'est bullish. Et je joue le comblement de la zone de single, quoi, en fait. Hein. Ça y est, c'est bon. Ah, c'est dommage le rejet qu'il y a eu, putain. C'est dommage. C'est dommage. Allez, on va sortir. Order filled. Voilà. C'était juste avec un contrat pour vous montrer qu'on pouvait jouer comment on pouvait jouer une zone de single print. Quand on a commencé à la travailler, on a repris appui, on l'a traversée. Je vais essayer de vous trouver mon petit programme là. Où il est? Il est là. Je vais enlever ça. Voilà. On l'a traversé. Je boum. On est bullish. Hein. Donc, on cherche que des longs, bien sûr. On retrace et là, on prend appui sur son bas. Donc, on achète et on vise le haut de la zone. D'accord? Là, on a rejeté juste avant. Ça peut arriver qu'on rejette juste avant. Donc, il vaut mieux sortir, même si je pense qu'on va l'exploser. Hein. Ok, et dans Bookmap, on a constaté ce petit support qui était le bas de la zone de single, ici. Ok, voilà. Et vous voyez toute cette liquidité en soutien ici. Ok, voilà, ça y est, on l'explose. Vous voyez, j'aurais pu attendre ma target tranquillement, j'aurais même pu mettre deux contrats. C'était tranquille, c'était tranquille. Voilà. Donc c'est une façon de jouer une zone de single. Je voulais juste faire ça, c'est en réel évidemment. C'est mon dernier trade de la journée. C'est pour arrondir à 350 en fait. Ouais, la journée a été bonne comme d'hab. Je n'ai pas trop à me plaindre en ce moment. 352, en fait j'ai fait plus parce que sur le DAX j'ai fait 339 euros. Et là, 40 dollars sur le OIM, donc ça fait 379. Hein. J'ai fait, alors au contract, j'ai fait 10 trades en tout. Un sur le OIM à l'instant et tout le reste sur le DAX. Donc c'est une très bonne journée comme d'habitude. Et comme on arrivait dans une zone de single sur les US, et ben je me suis dit, je vais leur filmer comment je trade des zones de single. Ça va faire une petite vidéo sympa. Voilà. Allez, journée terminée pour moi. Regardez, je ferme tout. C'est fini, je ferai pas la close, j'ai pas besoin, la journée est bonne. Voilà, donc belle vidéo sur les zones de single print.